Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison du printemps. On va maintenant faire la zone de vitesse. Camino del Cielo, c'est ici. Alors, il faut faire 225,3 km/h en moyenne. Il faut utiliser une voiture S2 998 maximum, et tous les moyens sont bons, donc n'importe quel véhicule avec un réglage maximum de S2 998, il faut bien faire 225,3 et non pas 217,3. C'est parti. Comme voiture, je vous conseille la Lamborghini Sesto Elemento Forza Edition de 2011 avec le réglage suivant, Seasonal Street. Le code c'est 795-725-673, 795-725-673. Positionnez-vous ici. C'est parti. Au début, n'allez pas trop vite, ça sert à rien. Coupez un peu. Comme ceci, voilà. Maintenant, coupez bien ici. Coupez bien là. C'est ici que ça va commencer à se jouer. Voilà, 205, c'est très bien. Coupez légèrement là. Comme ceci, 213, c'est nickel. On va le faire facile. Allez, 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 allez. Allez, 229. Alors, c'est très difficile. Regardez bien les... Comment dire, les virages que j'ai pris, comment j'ai pris mes virages. Regardez bien. Tout se joue, en fait, juste avant l'arbre. Quand vous avez votre premier virage et votre deuxième virage, quand vous sortez du deuxième virage avec l'arbre, c'est là que la vitesse est importante et vous devez couper légèrement dans la brousse, légèrement quitter la route, mais pas trop parce que sinon vous perdez trop de vitesse. Alors je sais que c'est pas facile, moi j'ai quand même essayé quelques fois, je vous l'accorde, avec quelques voitures différentes. J'ai pas réussi à faire passer avec la Rimac, mais avec celle-ci ça fonctionne. Et voilà, la zone de vitesse Camino del Cielo est terminée. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici, je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.